Merci beaucoup. Donc on est là donc pour la deuxième soirée Quad 9 Docteur, donc cette conférence dédiée au forum sur la jeune recherche en durabilité. Et si cet événement a lieu ce soir, je vais commencer direct avec les remerciements. Donc merci à l'espace Dickens, au Centre de compétences et durabilité de l'UNIL, le Graduate Campus, le Bureau des Alumni et la Fondation Charles Léopold Mayer. Et merci beaucoup à vous, chercheuses et chercheurs, et au public d'être là ce soir. Donc les remerciements sont faits. Moi, je m'appelle Camille Nancy et je travaille à la RTS. Et pour moi, c'est un immense plaisir de modérer en partie le débat ce soir. On va découvrir ensemble 4 travaux complètement différents. Ça va être des univers, des sujets qui passent du micro au macro, littéralement des bactéries à des actes de désobéissance civile. Donc, préparez-vous. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de lire les présentations et je me réjouis de les entendre pour de vrai. Et il faut que j'aimerais quand même mettre en avant, c'est tout le travail qui a été fait de synthétiser et aussi surtout de vulgariser de la part des chercheuses et chercheurs, parce que c'est des thématiques sur lesquelles ils ont travaillé pendant des années avec un vocabulaire très spécifique. Et ce soir, ils ont fait l'exercice de désembobiner le fil, je ne sais pas de français, mais voilà, pour pouvoir vous présenter leurs travaux et pour que vous les compreniez et pour qu'on soit tous, toutes et tous conscients des enjeux de durabilité dans leurs recherches.